Cette formation, qui donne droit au diplôme de gestion appliquée à la police et à la sécurité, vous a également offert l'opportunité de soumettre et soutenir vos travaux de recherche s'articulant autour de thèmes liés aux problématiques de sécurité et du développement. Sachez que l'ère des chefs tout-puissants est révolue. Aujourd'hui, la PNH a besoin des leaders qui communiquent, qui ont le sens des relations humaines, de jeunes cadres aux mille idées et initiatives pour le bien d'un pays en lambeaux. En effet, la PNH a besoin de leaders avec des idées géniales, mais aussi des hommes et des femmes honnêtes avec une vision qui sera pour les exécutants ce que le phare est pour le navire. Policiers, policières, commissaires, nous sortis dans la matrice peuple, même j'en avais. Sécurité pays a dans main nous. Devoir pas nous, c'est protéger et puis servir tout le monde. Sans parti pris. Moi connais. Nous gradions dans un moment qui est difficile, en pile. Côté, la police a fait face carrée à un pile de monde qui n'a pas respecté la loi et qui a une grosse âme dans la main. Bandit, ça y est, s'y met un pile d'ailleurs déjà dans la société. Je profite de saluer le travail de la police. Travail que la police l'a fait. Et la continue à faire pour mettre les bandits en bas code dans tout le pays. Nous-mêmes qui faisons cap entrer dans le commandement de la police, nous demandons pour nous utiliser toute capacité intellectuelle et intelligence. Nous. Pour nous mettre en place une bonne stratégie qui pourra permettre à la police là plus efficace. Dans toute qualité d'intervention, là bien pour le faire. La deuxième compagnie, suivie de Saint-Onax Jean-Pierre, Juan Emmanuel, Joseph, est suivie de Vincent Beauport-Émile, Jean-Baptiste Johnson, et les éléments de la quatrième compagnie, qui salue en ce moment le président de la République. Mettez-vous debout pour la prestation de serment.
Merci. Bravo, bravo, bravo. Témoignage de la considération du gouvernement haïtien pour sa contribution au renforcement de la coopération entre la République d'Haïti et la République de Chine-Taïwan. En foi de croix, le présent diplôme est délivré pour servir ce que de droit. Jeudi 14 août 2019, nous-mêmes vaudouisants, nous sémenter 77 fois, 7 fois, nous prenons destin nous en main. Pays ça n'a pas changé. N'a pas changé. N'a pas changé. N'a pas changé. Dans le dialogue, n'a pas changé dans le respect de la diversité, n'a pas changé dans chercher la vie meilleure pour tout le monde. La guerre est plus jolie. Oui, non, oui. Non, oui, là. Non, pas, à tiens, pas, oui, tout. Aïe, bobo! Sur la base, les députés qui sont pour l'acte de mise en accusation du président Jovenel Moïse, qui, à travers les débats qui se sont déroulés démocratiquement à la Chambre des députés, Donc les députés qui sont pour vous sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Et ceci conformément au registre. Les députés qui sont pour vous sont priés de lever la main. Les députés qui sont contre sont priés de lever la main, s'il vous plaît.
Les députés qui sont pour la mise en accusation du président Jovenel Moïse, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés, merci de laisser vous mettre. Donc, les députés qui s'abstiennent. Avec le nombre de députés conformément au règlement intérieur, je déclare la séance levée. Donc, merci. Donc, la demande de mise en accusation est rejetée. Merci. PNH là pas solide, si base li pas solide. C'est peut-être ça. M'a fait appel à tout policier sans distinction pour yo comprendre pas gain la police sans eux-mêmes. Nous tous connaissons l'histoire Rome dans temps ancien. Il était péri parce que base li social li yo famille c'est yon était décomposé. Force la police la chita sous fondation li qui était nous-mêmes, policiers qui n'en basent pas. L'un des défis les plus pressants à relever est celui des gangs. La lutte contre le banditisme, la criminalité organisée sera intensifiée. Un tel impératif requiert le renforcement des capacités opérationnelles, administratives, d'intelligence et tactique et logistique de la police nationale d'Haïti. Prise en rendez-vous le nouveau directeur général agréé de la police nationale, comme le requiert la Constitution. Nous pouvons encore une fois transmettre mes remerciements à son Excellence, M. Jovenel Moïse, président de la République. L'accusé debout. C'est pas facile. Même pour un juge de rendre une décision pour condamner un monde à perpétuité. Mais c'est la loi. Le tribunal là de faire application de la loi. Moi fais application de la loi. Comme moi saute l'île là pour nous, et avocat yo, yo gen connaissance pour ça. Ou ka gagne insatisfaction de décision nan. Ou gen obli ou gen possibilité pour demander révision, pour demander la cour de cassation pour le garder, pour le souhaiter bien jugé. Donc, à partir de l'analyse que moi fais de dossier, de tout ça dit dans le tribunal, moi demande au ministère public la conforme. Moi condamné comme étant président de ce tribunal pour passer restant ou bien pour vivre dans la prison pour crime de viol que vous faites sous petite fille. Sergeline Gerson. Moi souhaitais au courage pour supporter. Peine ça. Si toutefois, ou pas, t'as décidé faire recours. De... Bon courage. Nous y en étant, le Serge. Je sais.
303, mais à l'autre par Jean Vandal. 303, à l'autre par Jean Vandal. Mais 304 qui est long. Jean Vandal, 303.